Avec toi, Victoria, et aujourd'hui, tu nous parles de laideur. Oui, connaissez-vous le compte Twitter La France Moche? C'est un compte créé fin janvier par un habitant des Hauts-de-France qui répertorie tous les endroits, les bâtiments les plus moches de France. Une sorte de palmarès de la laideur. Et figurez-vous qu'à Lyon et dans notre région, on est cité à quelques reprises. Regardez par exemple le tunnel de Fourvière, l'auditorium de Lyon, cette barre d'immeubles de la Part-Dieu, le rond-point de Villeurbanne qui avait été élu rond-point le plus laid de France en 2016 par les auditeurs d'RMC. La structure jaune avait été retirée en 2020 après un accident, mais l'artiste a promis qu'il allait refaire cette œuvre iconique de Villeurbanne. Donc voilà, on est quand même pas mal cité chez nous. On a quelques lauréats, si l'on peut dire, mais la palme revient peut-être à une gare dans la région lyonnaise. Pas très loin de Lyon, c'est dans l'Isère. Vous connaissez peut-être la gare de l'Île d'Abo. Il y a pas mal de commentaires assez négatifs sur l'esthétique de cette gare avec des sortes d'échafaudages. Voilà, donc les j'adore le commentaire. Entre nous, on l'appelle la gare de l'île Pabot. Cette gare est terrible. Voilà, et c'est pas fini. Tous les jours, de nouveaux endroits moches sont postés sur le compte Twitter. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vous-même vos photos ou vos propositions. Il y a de quoi faire aussi dans notre région qui est magnifique pour autant. Merci Victoria, c'était l'histoire du jour.